Donc les neutrinos sont les particules les moins comprises parmi les particules élémentaires. Je suis Leïla Hegel, je suis chercheure à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon, où je suis membre du groupe Neutrino. J'ai rejoint l'IP2I il y a un an dans le groupe Dune, et dans un groupe en fait qui a été investi dans Dune dès le début de l'expérience, avant même qu'elle s'appelle Dune, et donc qui a une très grande connaissance de ce détecteur et de grandes responsabilités dans la collaboration. Donc l'expérience Dune, c'est une expérience pour étudier les oscillations de neutrinos. Dans mon laboratoire précédent, nous avions un groupe qui était spécialisé dans l'accueil des artistes en résidence dans le laboratoire. Et moi, qui me suis toujours intéressée aux aspects artistiques, j'avais collaboré dans une de ces résidences et ça m'a fait un peu mettre le pied dans ce type de collaboration. Notamment avec le Musée d'art contemporain de Lyon, j'ai fait le pendant des artistes qui sont en résidence dans des laboratoires scientifiques. Là, j'étais scientifique en résidence au musée. C'est quelque chose que je trouve très bénéfique parce que ça permet souvent d'attirer un autre public que le public qu'on va avoir avec d'autres types de vulgarisation, que ce soit de la vidéo ou que ce soit des conférences vulgarisées, par exemple. À l'IP2I, nous avons des casques de réalité virtuelle. Donc, dans le futur, c'est une technologie que j'aimerais bien étudier un peu plus pour pouvoir faire de la médiation scientifique. Par exemple, faire ressentir ce que ça fait d'être dans le détecteur qui est immense. Et retrouver cet aspect que j'avais un peu délaissé durant mes études de sciences pour des collaborations, ça a été quelque chose très enrichissant et qui a été très bénéfique pour ce genre de projet et de collaboration.